Aujourd'hui, Monsieur le Président, je suis un leader d'un peuple qui porte encore en lui quelques séquelles de l'histoire. Nous voulons relever la tête et avancer fièrement et porter fièrement notre patriotisme. Nous devons retrouver notre fierté nationale et aujourd'hui, il y a encore une réalité qui nous fait mal. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, mais le peuple malgache, l'appartenance des îles éparses est une question d'identité nationale. Donc je vous remercie car il faut trouver une solution. Il faut vraiment aller de l'avant et les choses qui n'ont pas été faites depuis 1896 devraient être rétablies actuellement. Et c'est en ce sens qu'au nom du peuple malgache que je demande solennellement et officiellement à Monsieur le Président de trouver une solution pour la gestion ou la restitution des îles éparses à Madagascar. Ce que nous lançons aujourd'hui, c'est un travail conjoint, totalement partenarial, politique et administratif, sur ce sujet, afin de bâtir une solution commune. J'ai une question pour Monsieur le Président Rajoel. Nous avons été clairs depuis le début, comme d'ailleurs nos alliés au sein de la coalition, sur le fait que nous reconnaissons la souveraineté irakienne, sa justice, et que pour les djihadistes ou anciens combattants qui sont incarcérés, ils sont jugés sur place pour les crimes qu'ils ont commis sur place. Et compte tenu du fait qu'il s'agit d'un État souverain constitué avec lequel nous avons des relations et qui sont au demeurant complètement stratégiques dans la région, il est clair que notre volonté est de poursuivre ainsi. Il ne m'appartient pas de qualifier aujourd'hui le fonctionnement de la justice irakienne. Par contre, comme nos alliés qui ont aboli la peine de mort, il est clair que pour nos ressortissants pour lesquels la peine de mort sera prononcée, nous demanderons à ce qu'elle soit commuée en prison à perpétuité ou en autre peine qui correspond aussi à ce que, dans le cadre de nos accords bilatéraux, nous pouvons reconnaître.